Ouais, bon, ça a l'air d'être bon. Allez, c'est parti pour France-Hongrie. Voilà, impeccable. Un petit France-Hongrie. Allez, on va voir ce que ça va donner. J'essaie de caler bien le micro. Bon, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, pour être en face. Voilà. Bon là je suis reparti sur la manette micro, pas Microsoft MSI. Allez, c'est parti. C'est la France qui engage dans cette première période. Hors-jeu, oui. Ouais. Ça doit être vraiment limite, limite. Hein. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça joue sur rien. Vraiment. Puis les projecteurs seront braqués aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Il possède un sens aiguisé du but et il est terriblement efficace dans la finition. Olivier Giroud. Oh, il va tout seul, il va tout seul. Le ballon est sorti, ce sera accordé à Bruckner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Oh! L'intervention du gardien là, pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Allez, le corner. Le point de pénalty. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Les gestes sont dans la défense parce qu'elle n'est pas passée loin cette balle. Il pensait pouvoir inquiéter le gardien sur cette frappe lointaine, mais ce n'est pas cadré. En sens sur ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. Ouais, mais bon, qui ne tente rien à rien. Alors, allez, c'est parti. Alain Nagy. C'est lui qui aborde cette partie en qualité de favori. Attention, ça peut être dangereux. Excellente intervention défensive. Adrien Rabiot. Mbappé.
L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu, on s'approche du but. C'est bien joué défensivement, bien vu. Il s'infiltre. Ah, trop. Oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. C'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup. L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu, on s'approche du but. Anticipation sur cette touche. Bien vu. Ah, toujours des hors-jeux, des hors-jeux, des hors-jeux. Chier ça. Oh, désolé, je parle mal. Alors, ouais, il perd le ballon, bon tacle. Allez. Adam Zalaï. Et Joris, il capte ce ballon sans problème. Très mauvaise relance. Très très mauvaise relance, merde. Dégage ce ballon. Allez. La perception de Morane qui était bien placée. Ah, je crois que l'attaque des bleus aujourd'hui, elle est en panne. On est entré dans la zone dangereuse. À l'occasion marquée avec ce duel. Olivier Giraud. Et voilà, l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va toucher. Ah, ça fait du bien. J'ai du mal à m'y remettre à FIFA, hein, vraiment. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On revoit la contre-attaque qui amène le but. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient se repérer. Pour individuel, belle droite de sang, froid l'envers du geste.
ce sont donc les Français qui mènent le score dans ce match. Adam Zalaï, le quatrième arbitre, indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Allez, les Français, il faut se créer l'occasion. On centre peut-être dans l'axe. Mince, c'est ce que j'ai fait. Ah là 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 là, ouais, j'ai vraiment du mal. Hein. Sur ce score extrêmement serré, un seul petit but d'écart, c'est peu de parler. Tant mieux pour l'intérêt du match. Vous avez pensé quoi de la prestation de Olivier Giroud ici? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance. Il domine hein, quand même, hein, 56%. Ok, entraîneur. Mode d'arrêt, c'est quoi ça? Mouvement et touche. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire rentrer un petit peu? Pogba, allez. Ah, c'est ça la flèche. Bon, je joue vraiment en normal parce que j'ai pas trop l'habitude. J'ai complètement perdu l'habitude du jeu. Oh, ça se fait qu'on peut pas la retirer la flèche. Parce que c'est vrai que ça simplifie. D'accord, ouais, je comprends. Rendu à l'adversaire directement. Allez, les Giroud. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Ah non, autant qu'il pille sur quel pied il fallait mettre là. Ouais, c'est dégagé. Merci. Un corner. Ah. Ah, il est visiblement pas dans un bon jour, on dirait. Et ces statistiques le confirment. Quand on se fait aussi peu d'occasions, et qu'en plus on n'est pas efficace, ben, les joueurs adverses prennent confiance. Kylian Mbappé, ce sans problème pour le gardien. Intercepté par Benjamin pour avoir bonne intervention. Intéressant. Finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage, en tout cas pour le moment. Tout le monde aurait eu vraiment cette reprise de la tête. Ouais, peut-être, ça doit jouer à un détail, mais finalement, il faut le calme. Alain Nagy. Attention, ça peut être dangereux. Elle est bien gagnée par le défenseur sur cette action. À la faute commise sur le joueur français, c'est un coup franc.
plus dangereux. Corner. Non? Ah, oh, c'est Giroud qui passe. Je la voyais en corner. Non, ah non, même pas. Cherche le point de pénalty. Ah, c'est plus dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Enfin, le joueur du gardien. Sortie impeccable du gardien qui a dû se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de se faire accrocher. Alain Nagy. Mince. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ouais, coup franc très logiquement accordé par l'arbitre. Et sortir simplement avec un avertissement verbal. Attention à la prochaine faute.
envers ses coéquipiers. Interception de Clément Anglet qui reprend ce ballon. Bon, 3-0. De cette rencontre, cette équipe qui s'impose devant son public. Bon, au tableau d'affichage, rien à dire pour son avis dans ce match, elle est complètement logique. Donc, à l'instant français, Olivier Giroud qui était allé mieux à la fin de l'attaque pour ce match. Un bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il en joue comme ça. De rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Voilà, je vais pouvoir enregistrer. Bon, allez, à la prochaine. J'espère que le match a été agréable. J'ai un petit niveau, franchement.